croyez, John. Bon Dieu. Croisons les doigts. Mais au moins, vous allez enfin pouvoir l'affronter. Et sans qu'il ait l'élément de surprise en sa faveur. Vous savez qui il est et ce qu'il est devenu. Vous devez le faire, John. C'est le seul moyen de révéler l'existence de la 23 Society au grand jour. Maintenant qu'on sait qui sont ces pourris, on peut enfin les affronter. Putain. Finalement, je comprends mieux la tentation de refiler une médaille à quelqu'un pour enterrer une sale histoire. Quel beau merdier. Reprenez vos soldats. Vous avez fait du bon boulot. Toute l'équipe, je veux dire. Et Robert ? Vous n'avez pas idée de ce qu'il a enduré pour arriver là où il est aujourd'hui. Je l'aimais. Je sais. Terminé. À l'intérieur. Bien. Trouve les documents. Ils devraient être quelque part à l'intérieur. Jette aussi un œil au disque dur. Pourriez être plus précis ? Trouve des ordres ou des rapports des séparatistes. Ça pourrait nous être utile. Et John, sois prudent. Compris.
Thank you.
Qui va là ? Thank you.
Les documents que vous vouliez. Beau travail, Jonathan. C'est bizarre ici.
Main en l'air. Bougez pas. Tournez-vous. Lentement. Vous n'êtes pas de la 23 Society ? Silence, c'est moi qui pose les questions. Ce n'était pas une question, techniquement. Vous foutez pas de moi. Dites-moi où se trouve Sergueï Flostov si vous voulez pas écoper d'une balle dans le genou. Mais c'est moi-même. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous me voulez. Pourquoi vous travaillez pour eux ? Ça n'est pas évident. Je déteste me faire tirer dessus. Vous pensez vraiment que j'aide volontairement ces gangsters ? Bien sûr que non. Ils m'y obligent, voilà tout. Ils m'ont dit que si je ne les aidais pas, ils me couperaient en morceaux très lentement. Pourquoi ils ont besoin de vous ? L'une de mes nombreuses spécialisations est la virologie. Évidemment, ils voulaient que j'élabore un virus provoquant des mutations génétiques sur des sujets humains. Ils l'ont utilisé pour améliorer les capacités de leurs soldats. Moins de questionnements par rapport à la peur, plus de force, plus d'endurance. De meilleurs réflexes, enfin, des choses comme ça. Combien de soldats vous avez manipulés ? Autant qu'ils le voulaient, bien sûr. Je ne suis pas vraiment dans leurs petits secrets. Continuez. Récemment, ils m'ont obligé à les assister dans leur session de conditionnement psychologique. Les bons médecins ne sont pas monnaie courante par ici. Conditionnement psychologique ? Comme du lavage de cerveau ? À mon avis, vous regardez un peu trop la télé, non ? Non, c'était davantage de la manipulation émotionnelle, psychologique, permettant au sujet de se remettre en question. Quel sujet ? Décrivez-le-moi. China North, répondez, John. Ici North, le labo est sécurisé, j'ai trouvé Flostov. Beau travail, John. Le Mossad vous doit une fière chandelle. Et moi aussi. Je devrais arriver bientôt. Bien sûr, terminé. Parlez-moi de ce sujet. Ah oui, il était costaud pour le moins, costaud, oui. J'étais content de le voir résister. Comment s'appelait-il ? Comment... s'appelait-il ? Aucune idée. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il était américain, vu sa façon de parler. Un soldat plutôt âgé, aux cheveux... Merde ! C'est pas Robert. Quand il est devenu évident qu'il ne se laisserait pas faire, ils l'ont emmené. Emmené ? Où ça ? Et j'ai entendu les gardes parler d'un endroit appelé... l'abattoir. C'est là qu'ils envoient leurs prisonniers avant de... Enfin... De les... Et les merdes. Raquel, vous êtes où ? Je suis dans les grottes. Je me rapproche de votre position. Parfait. Je vais faire un tour du côté de l'endroit qu'ils appellent l'abattoir. Terminé. Mon associé devra bientôt nous rejoindre. Faites tout ce qu'elle dit. Arrivée prévue d'ici 20 minutes. Flostov est à vous. Prenez le contrôle du complexe et empêchez la destruction du matériel. Bien compris, terminé. John, à vous. Je suis au labo, avec Flostov. J'attends Raquel. Annulez l'opération. Votre priorité est désormais le sauvetage d'un soldat américain retenu prisonnier à l'abattoir. Laissez Flostov à Raquel. Tirez notre gars de là. Bien sûr, terminé.